Bonjour à tous, bonjour à toutes, je me présente. Je suis maîtresse Bouchra, enseignante d'éveil scientifique à l'école moderne de l'enseignement privé El Fatih MEP. Dans cette capsule, on va étudier le mouvement des animaux aquatiques. La majorité des habitants des océans sont des poissons. Et les poissons, ils assurent leur mouvement grâce à leurs nageoires. Ces nageoires qui varient en forme et en nombre selon les espèces. Prenons à titre d'exemple le poisson rouge. Il possède 5 nageoires. On note la dorsale, la caudale, l'anale, la pelvienne et la pectorale. Chaque nageoire a une fonction précise. La pectorale et la pelvienne contrôlent l'équilibre du poisson. La dorsale et l'anale gardent l'animal sur sa trajectoire. La caudale, elle sert à guider le poisson. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous retrouve dans une nouvelle. À très bientôt.